très bien, on est très content. C'est ce qu'on voulait faire, on a réussi à le faire. On a bossé dur pour préparer ce match et être prêt le jour J. C'est fait, maintenant il reste d'autres matchs, il faut aller au bout. Ça a été un match très très dur. On a eu un match, le premier match, dur aussi, mais on a su concrétiser nos ballons rapidement. Là, c'était un peu plus dur. L'opposition était un peu plus dure. Ça a tapé très fort, ça cognait fort. Mais franchement, l'équipe a montré un gros caractère, une grosse force de caractère. On allait vraiment se chercher ce match. Demain, il nous reste la plus haute marche de la poule et chercher encore plus haut sur ce tournoi. On arrive à revenir, on n'est pas loin, puis on craque, mais on sait que c'est le rugby à 7, il faut vite rebondir, on est en quart de finale ce soir, et à nous de relever la tête pour pouvoir aller gagner ce quart de finale. Quelques points clés, rapides. Allez, on ne s'éternise pas, parce que là, plus quart de finale, c'est une nouvelle compète qui commence. Donner au-dessus de la tête, pareil, on franchit, et s'il y a peut-être une passe de plus, c'est ou pas, tu vas marquer tout seul. C'est important, la mine juste un peu plus, hein, le plus proche à l'axe. Sinon on est correct, après juste encore un peu plus de précision, un peu plus d'activité. Ok, c'est dur, il fait chaud, c'est dur pour tout le monde. Bon, c'est un quart de finale à la maison, hein. C'est le dernier match, là on lâche tout. Ce soir c'est terminé, on est face après. Donc là, il nous reste 14 minutes. On est 12, on s'y file comme des jeunes. Allez, on va chercher un tournoi, allez. 1, 2, 3, tous ces petits matchs qui se jouent sur la fin, là, on n'arrive pas à les remporter. Et là, devant le public à Toulouse et tout, enfin, ça bascule en notre faveur, ça fait un gros plaisir. Gros plaisir, c'est le premier objectif atteint, là, pour l'instant.
vite aller de l'avant. Le match de l'Irlande, on en sort les quelques points à régler, on en tire le positif, on analyse l'adversaire, que ce soit Samoa ou Fidji, et très très vite on bascule vers cette troisième place parce qu'on a envie d'aller la chercher pour l'équipe et pour le public qui est venu très nombreux nous soutenir. Donc là il faut vite basculer et on aura tout le temps de faire notre analyse Irlande plus décortiquée, on aura le temps. Maintenant il faut basculer, garder positif. Hé, hey, compact les gars, compact. C'est le dernier à la maison, les gars. Franchement, je suis pas fatigué. Zéro regret. Chronique qui va craquer. Je peux pas, bon. Zéro regret, allez. Thank you.